les oreilles sont l'organe de l'ouïe. Même si, en tant que femmes, nous les utilisons souvent comme instrument de beauté pour arborer nos magnifiques boucles d'oreilles, les oreilles, ou je dirais plus exactement nos oreilles, ont deux fonctions essentielles, l'audition et l'équilibre. L'audition, c'est le fait d'entendre, de percevoir les bruits, les sons venant de l'extérieur. A priori, entendre peut paraître un acte passif dans la mesure où il ne nous demande pas un effort particulier, où il n'aurait pas une incidence directe sur nos vies. Mais en réalité, entendre n'est pas un acte anodin, puisque ce que nous entendons nous construit. Alors tu dois choisir, en tant que femme de destinée, en tant qu'héroïne, ce que tu écoutes, parce que écouter t'implique forcément. Tu peux des fois effectivement être en train d'écouter sans forcément parler, mais écouter t'implique, puisque écouter, c'est accepter volontairement ou involontairement. Je voudrais donc t'exhorter à rejeter les conversations, par exemple, dans lesquelles il y a des médisances, des comparaisons, des conversations dans lesquelles on méprise les autres ou les rabaisse. Tu ne dois pas prendre part à de telles conversations parce que forcément, ce sont des choses qui te déconstruiront. Choisis d'écouter des choses qui te bâtiront, des choses qui t'édifieront positivement. Que Dieu te bénisse abondamment.